Et voilà de retour pour la grande finale de l'Infinity. Et à mes côtés, HT Finom. Salut Finom. Salut Lorenzo. On a fait la petite finale, enfin la troisième. Oui. Non. C'était ça, tu la peux dire. La finale loser. Voilà, c'était la finale loser. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est la grande finale. Et avec toujours Kenshiro qui fait sa chope imprononçable. Vas-y. Oui, Nizuna Otoshi. Merci. Et voilà, Shadow Kick décale chope. Ça, c'est propre. Ouais, la Uranium, j'ai vu, il a tenté de faire saut gros pied décalage 3-6. Hein. Oui, ça, c'est un autre style. Le bas médium. Ah, il a pas cancellé le bas médium. Il a mis après. Ah, bonne défense là de la part d'Uranium dans les targets. Et allez. Voilà, l'Otoshi qui passe encore bien propre. Yes. On sait pas comment le garder quand même ce truc. Hein. Jamais compris. Hein. Ouais. Ah, le bas médium pour toucher au loin. Allez, Shadow Kick qui met à terre derrière. Losanto, il travaille bien, il met les targets. Uranium enfermé. Ouh, ne saute pas, mon petit! Parce que papa, gros câlin, et vient par là, et bim! Mon dieu! Qui fait mal. Oh là 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 là! Et ouais, une petite spéciale. Hein. Petite con. Ouais. Le Spire UX pour déplacer La spéciale de Kenshiro. Prenez une autre. Et il met quand c'est le backdash derrière, c'est super propre. Shadow Kick, il inverse les gardes, bien joué, hein, pour passer en dessous. Et là, il s'est barré, je comprends pas. Ça aurait été plus rentable de faire un saut bagro point, mais c'est pas grave, il gagne le round. Ah, et certainement il s'attendait pas à un saut, hein. Il utilise plutôt le Shadow Kick pour inverser la garde, il décale une chop, enfin c'est plutôt... Ouais. C'est ça, il s'en sert souvent comme ça des Kenshiro. Ouais, il pife quoi. Non, il fait un setup sur le coup, il essaie de placer un jeu. Ouais, allez. Allez, Jonathan Otoshi, directement, hein, direct. Ouais. Allez, backdash derrière. Il a bien lu. Oh le dragon. Oui, ça c'est la grosse différence entre Uranium et Vince, c'est que Vince il est... Enfin Uranium il a le dragon. Hein. Oui, il est là, hein. Il a mis son doigt dessus. Voilà. Et voilà le setup qui passe. Encore la chop spé. Ouais, le saut gros pied Riz. Oh là là. Oh là là, c'est le Pukaiku qui est puni méchamment. Ça stun pas tout ça là? Il doit pas être loin. Ah non, il doit pas. Bah maintenant le stun il est parti, mais ouais. Après avoir pris autant de 3-6. Est-ce qu'il fait, Guy? Il est en train de vomir là. Ah, d'accord. Oh, ce petit Condor Spire, Condor Dive X, bien joué. Attention, oh là là. Eh oui. T'as vu ce petit Light Condor Spire juste pour décaler le 3-6. En plus, il aurait pu mettre Condor Spire X pour tuer en grattage. Hein. Enfin, ouais. Je sais pas si ça grattait. Moi, j'ai une qualité de merde sur mon écran. La fin des barres de vie, je la vois pas trop. Ouais, il restait encore un tout petit peu. Mais bon, dans le doute, il a dit que c'était plus rentable. On cherche pas à comprendre. C'est mieux. Ah, il aurait pu prendre Ultra quand même là-dedans. Hein. Ouais, ouais. Et attention, ça c'est punition, direct. Oui. Ah, ouais, ouais, là, si t'as la garde devant le T-Hawk. Cherche pas à comprendre. Y'a le chopper qui ressort. Hein. Allez, voilà, le chauffeur. Oh là là, le dasher. Il a mis la médium. C'est ça. Ouh, il a essayé la carotte des anciens. Les petits lights de Condor Spire UX. Passez le Pukaiku là, comment ça se fait? Rosento X par contre comme punition. Il manquait le light kick là dans son pressing, c'est dommage. Ouais, Shadow Kick. Oh attention, il a essayé Dragon. Hein. Il a essayé Dragon, je l'ai vu Uranium. Il était marché. Là. Non, il est difficile face à Otoshi. Allez, Otoshi il attrape des trucs bizarres. Hein. Ah, chope tout, regarde. Il chope tout. On sait pas trop, il a une hitbox de partout. Ouh là là. Allez, là bien joué. Ah, il avance. Dommage, le saut. Il aurait pu mettre le dragon X pour se barrer. Attention. Oh, il a réussi sa phase. Oh, non, il a raté le Senpu. Quel Senpu Kaiku? Qu'est-ce que tu m'as fait des Kenshiro? Il a mis le X. Ouais. Il a mis le X, mais le X est vertical. Alors qu'il aurait mis le gros, il aurait avancé, il aurait tué. Eh ouais. Il aurait mis le gros. C'est ouais, pas réflexe. Il utilise tellement souvent le Senpu Kaiku X. À mon avis. Et il boit trop. C'était ça. Ah, le malin. Ah, voilà. Attention, on ça c'est. Travaille le target, Losanto, le Senpu Kaiku, voilà. Et ce Senpu Kala tout à l'heure. C'était et celui-là. Attention, oh, la vague shop. Attention, il va faire quoi? Ah, sauveur. Ouais, il a voulu inverser quand même. Oh, bien joué. Et vous voyez, ce setup avec le body splash, ça l'a permis de vraiment bien se mettre. Ça. Bah, le light punch, il fait retomber au sol et puis il suit tout de suite. Ouh là là, attention ça, parce qu'il faut se calmer, Uranium, pas trop de dragons. Ah, il sait qu'il a l'avantage là au pressing. Oh là là! Ah, il l'a refait! Oui, il a oublié cet ultra parce que pas beaucoup le prennent. Et il a voilà. Un tour de manège. C'est ça, tourner les serviettes. Oh là 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 là! Oh, le Sozento X a traversé complètement le corps de Uranium, tu as vu ça? C'est le coin, c'est parce qu'il a mis son Condor Dive devant dans le coin, du coup il est retombé plus tôt que d'habitude, je pense. Eh ouais. Et dans ce cas-là, lui il a bourré, mais. Enfin, il a mal bourré. Le bourrage, c'est tout un art. C'est tout un métier. Le coup, ça n'a pas passé, ça traverse la hitbox. Et voilà, Uranium qui remporte l'Infinity sur le coup. Il a bien géré tout le long de la rencontre. Il a bien utilisé ses ultras. Il a fait mal.
Et voilà, donc qu'est-ce que t'en as pensé, Finop, de cette rencontre? Bah, j'en ai pensé que... Bah là, sur le coup, oui. Genjiro, il est resté sur le match contre... Contre Vince? Contre Vince, voilà, donc il a ressorti les mêmes choses pour contrôler le match. Seul problème, c'est que Uranium, c'est pas pareil que Vince. Il utilise beaucoup plus ses dragons en entière quand il voit le mec sauter. Ouais. Dragon direct. Et en plus, il utilise l'Ultra 2. Voilà. Alors que il me semble que la quasi-totalité des Tio prennent Ultra 1. Hein. C'est rare que quelqu'un prenne le 2. C'est ça. Et donc là, Kenshiro, il était perdu. Ah, et puis en plus, il était dans le groupe d'amis. Oui, tu l'as déconcentré encore. Oui. Il a déconcentré tous les concurrents. Là, il n'y a pas que moi, il y a Vince aussi, il est responsable. Ah. Oh là là, c'est... Minuit était passé, on avait le droit. Donc voilà. Au final, Kenshiro, il a essayé de gérer le match-up Vince contre Taunt Uranium, puis il a perdu. Eh oui, il s'est fait un petit peu surprendre. Bah, il faut dire que tous les joueurs jouent différemment. Ouais, voilà, il a craqué au début. Enfin, au début, ça allait. Puis quand il a vu que le gameplay était différent, il a essayé de s'adapter, mais au final, il a craqué. On a vu certaines phases qui allaient partout. Qui rate que d'habitude, il est réussi. Voilà. Uranium a bien géré tout le long de la rencontre. Hein. Il nous a placé toutes les petites spéciales. Ouais. Il s'est fait plaisir. Il aura tout gagné tranquillement, Uranium, du premier coup. Bravo à lui, voilà, j'espère que cet Infinity vous aura plu, prochain tournoi donc bah, pour ce samedi, on se dit à très très vite, merci Finom d'avoir commenté à mes côtés. De rien. Et que l'esprit des combos soit avec vous.